parler d'un miracle. Ton Seigneur presse de paix depuis son Père éternel. Et la domination reposera sur son épaule, car il a le Fils de Dieu. C'est la fin de ma journée. Vous la présente à suivre Emmanuel Élisée Norestin. Je vous souhaite de passer une bonne nuit sur les ondes de la radio Respiration. Bienvenue. Nous allons nous retrouver tous les soirs pendant presque une semaine pour aborder le thème général qui a été choisi, intitulé donc un homme à la hauteur de ses prétentions. De quel homme s'agit-il ? Jésus, dans une certaine occasion, lorsqu'il était en chemin avec ses disciples, leur a demandé. Il leur a posé cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ou formulé autrement par une autre version, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Cela se lit dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 27. Et à la question, ses disciples répondirent que on disait de lui qu'il était Jean-Baptiste, les autres disaient qu'il était Élie, les autres qu'il était l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, le Seigneur aimait entretenir ses amis du royaume de Dieu. Et pour leur faire comprendre ce royaume duquel ils n'avaient qu'une idée forte, imprécise et souvent erronée, il puisait à pleine main des illustrations dans la nature et dans les circonstances de la vie quotidienne.
Tantôt il parle d'un laboureur ou d'un semeur, tantôt d'une scène de marché, tantôt d'un infime grain de moutarde. Ici, il se sert de l'opinion publique, du qu'en dira-t-on, du commérage. Il instruit ses disciples sur sa personne en leur posant une double question. La première est générale et impersonnelle. Qui dit-on que je suis ? La deuxième est précise et personnelle. Qui dites-vous que je suis ? Dans la première, il les interroge sur les autres. Dans la seconde, il les interroge sur eux-mêmes. On voit, d'après les différentes réponses, que les opinions variaient. Pour les uns, il était Jean-Baptiste. C'était en tout cas l'opinion d'Hérode qu'il avait fait décapiter. Sa tête avait même été apportée sur un plateau devant tous les convives. Et depuis ce jour, les ombres du remords peuplèrent les nuits d'Hérode. Sa conscience le poursuivait, et il se mit à voir le spectre de Jean-Baptiste partout. Et quand il entendit parler de quelqu'un qui annonçait le royaume de Dieu de façon puissante et par des miracles, il crut que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Ainsi Hérode et d'autres avec lui croyaient que Jésus était une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était Élie le prophète. La vie d'Élie avait été marquée par 7 grands miracles retentissants. Élie était l'homme hardi qui osait affronter le méchant roi Achab. C'était aussi l'homme qui échappait sans cesse à ses poursuivants. Et sur ces points-là, la vie du Christ présentait une certaine ressemblance avec celle d'Élie. Il était donc facile de les prendre l'un pour l'autre, d'autant plus qu'une prophétie, la dernière de l'Ancien Testament, disait qu'Élie devait revenir. Ainsi, pour certains, Jésus c'était Jean-Baptiste, pour d'autres c'était Élie, et pour d'autres c'était un prophète de plus. Il ressort de tout ceci qu'on n'avait de lui qu'une idée assez vague, mais il se dégageait de sa personne, de sa conduite et de son enseignement un tel rayonnement que non seulement on le prenait pour un prophète, mais encore pour un grand prophète. Jusqu'ici, une chose nous saute aux yeux. Quelque différentes que puissent être les opinions des gens de son temps, on ne le considérait pas comme un homme ordinaire. Et si on juge Jésus-Christ d'après l'influence qu'il a jetée sur le monde, nul ne peut se comparer à lui. Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Aucun ne se compare à lui. Prenez tous les fondateurs de toutes les religions du monde. Aucun ne peut se comparer à lui. Prenez Mahomet, le fondateur de l'islam. Mettez sa vie et son œuvre à côté de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que trouvons-nous chez l'un ? La faillite devant ses propres lois. Car il a, par exemple, dépassé le quota d'épouses qu'il avait lui-même fixé. Et Mahomet est ainsi bel et bien le premier violateur de ses propres lois. Quant à son œuvre, on la voit se propager à la pointe de l'épée dans des fleuves de sang, tandis que chez Jésus, nous le trouvons partout vivre à la hauteur de son enseignement, et nous le voyons vivre, vaincre et mourir par la seule force de l'amour, le seul sang qu'il ait jamais répandu. C'était le sien. Aucun ne pouvant soutenir la comparaison, nous ne continuerons pas à les comparer. Après avoir lu ce que sa génération disait de lui, voyons un peu ce qu'en dit la nôtre, car après 20 siècles de christianisme, on devrait savoir qui est Jésus. Eh bien, reprenons sa question. Qui dit-on que je suis ?
Les uns répondent, c'est un philosophe. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme. Ceux-là même qui nient sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde. Un de mes amis, qui avait lu Nietzsche, Kant et Platon, m'a dit qu'aucun système de philosophie n'égalait celui de Jésus-Christ. Sur le plan philosophique, c'est un grand homme. Qui dit-on que je suis ? Un philosophe. Qui dit-on que je suis ? Un idéaliste. Quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé, le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains, quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple. Qui dit-on que je suis ? Un philosophe. Qui dit-on que je suis ? Un idéaliste. Qui dit-on que je suis ? Un martyr. Un martyr victime de son franc-parler. Non seulement un homme qui a eu un idéal, mais qui a souffert pour son idéal, qui a risqué sa vie pour une bonne cause. Un peu comme Marie Curie, victime de la manipulation du radium, un peu comme tous les résistants de tous les temps qui ont laissé leur vie dans la lutte pour la liberté et contre l'oppression. Qui dit-on que je suis ? Un philosophe ? Un idéaliste ? Un martyr. Qui dit-on que je suis ? Un illuminé. Eh oui, c'est la version actuelle de ce qu'on disait de son temps. Il est fou, il a un démon. Ça se trouve dans l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. C'est un mystique détraqué qui s'était proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. Qui dit-on que je suis ? Un philosophe, un idéaliste, un martyr, un illuminé. Qui dit-on que je suis ? Un personnage historique. Quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Une vieille histoire, quoi. Même si c'est une belle histoire, qu'on ne raconte plus guère qu'aux enfants et aux très vieilles personnes, que l'on garde comme un vieil album de famille qu'on sort aux grandes occasions, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, et encore, parce que ces jours-là, c'est congé. Qui dit-on que je suis ? Un grand homme, Seigneur, mais tu n'es plus l'homme des évangiles. Car quand on entend ce qu'on dit de toi, on comprend mieux cette parole de l'Épître aux Hébreux. Considérez celui qui a enduré contre sa personne une telle contradiction. Tous ces avis dont on le revêt, même les plus flatteurs, comme un philosophe, un idéaliste, un martyr, ce n'est en réalité que des dépouillements. Toutes ces opinions n'arrivent qu'à le rabaisser, et parfois même plus que ses détracteurs. Car quand on dit de lui qu'il est fou, qu'il a un démon, au moins là, on ne le croit pas. Si bien que la découverte de qui est vraiment Jésus doit nous tenir à cœur, même si elle doit être laborieuse. C'est ainsi que dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, un aveugle né, guéri par Jésus-Christ, a fait la découverte du Fils de Dieu. Lorsqu'il a été guéri, on lui a posé des questions. Et la première fois, il répond l'homme qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un homme. À de nouvelles questions, il monte d'un cran dans son appréciation et il répond, c'est un prophète. Un prophète. Une troisième fois, il rencontre le Seigneur.